Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. La déclaration du président Biden a déclenché une course des relations publiques pour clarifier ce qu'il disait. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a tenté de minimiser les propos du président, déclarant qu'il pensait que Biden indiquait que Poutine ne pouvait pas avoir le pouvoir d'engager une agression contre l'Ukraine ou quiconque d'autre. Quelques heures plus tard, l'ambassadrice américaine à l'OTAN, Julian Smith, a déclaré que les États-Unis n'avaient pas de politique de changement de régime en Russie.